Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, je suis avec du beau monde aujourd'hui, ça va les gars? Bonjour! Yo yo! Il pleut des œufs. Ah bon. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Fallen Kingdoms, Japon. Mais qu'il est loin. On hésite un petit peu sur le nom. Nippon. Allez, Nippon c'est bien. Eh, chacun met son titre, c'est quoi? Ce sera la surprise, allez. Voilà, chacun a un FK différent, très très bien. Avec une carte magnifique qui a été réalisée par la Celticraft, que je remercie du coup pour leur travail. Je vous laisse explorer un petit peu la map là pendant Oui. L'intro et l'explication des règles. Donc nous avons deux équipes, l'équipe d'Hypierre, B-Boy et Prof, l'équipe rouge. Yeah. Et nous avons l'équipe bleue avec Léo et Sifano. Et toi. Et toi aussi, oui. Et moi, oui, accessoirement. Non, ça va être un peu dur. C'est vrai. Oh, et donc regardez ce magnifique bâtiment là qu'on a au milieu de la map qui est vraiment très très belle. Mais qu'est-ce que c'est? C'est beau, hein. Un joli temple japonais. Wow. Gigantesque. Gigantesque. Ah là pour le coup, ouais, je pense qu'on va il est un peu grand. Ouais. Surtout qu'on va devoir le grimper. Ouais, on va le voir grimper. Donc vous verrez l'intérieur là durant la série. Donc je vais expliquer les objectifs de cette saison là. Il y en a quoi? Il y en a deux en vrai de gros objectifs. Le premier, ça va être de réaliser un jump à l'intérieur du bâtiment et d'aller chercher la carotte dorée mystique tout en haut du jump, donc tout en haut du temple. À partir du jour 2, donc en fait jour 1, tout le monde sera tranquille chez soi à miner, à voilà, faire sa base. Et le deuxième objectif, vraiment, c'est de tuer l'Ender Dragon. Pareil, il y a un dragon là qui tyrannise le Japon, faudra aller le buter. Il n'y aura pas d'assaut tant que ces deux choses ne seront pas faites. Voilà. Et en bonus, donc jour 3 et jour 6, ça c'est le point un peu compliqué, attention. Vous avez donc des mini-temples de chaque côté, avec un coffre à chaque fois dedans. Donc il faut essayer de trouver, voilà, ça c'est le temple où il y a de l'herbe en bas. Je vous laisse venir un petit peu pour montrer ça. Toc. Je suis pas au bon. ça commence. Pourquoi tu fais hyper long quoi, la moindre distance c'est. Pourquoi tout le monde est calme quand lui fait ça? Mais t'as vu, c'est génial. Et y'a pas une histoire de jardin aussi? Ah si, si, faut faire un petit jardin. Ah, je suis dans. Ah ouais? Ah, ça c'est bien. Genre, tu fais, voilà, tu mets des petits roseaux, des trucs comme ça. Y'a un objectif d'écho comme les anciens. Mais alors, attends, juste ton temple il est pas sécure du tout là. Bah non, y'a des monstres partout. C'est le but apparemment. Donc, ça c'est l'un des deux coffres qu'on va devoir récupérer. On va se battre le jour 3. B-Boy, t'es là, c'est bon. Y'a quelques trucs là-dedans pour récupérer ce coffre. Ah, pour récupérer ce qu'il y a là-dedans. Et le jour 6, c'est celui d'en face. Et jour 6, c'est de l'autre côté, bien sûr, un autre coffre à se battre. Donc, c'est comme Candy Kingdoms, faut rester appuyé dessus pendant, je crois que c'est quoi, une minute. Ah, d'accord, ok. Mais ça donne tout. Après, bah en fait, t'as crocheté le coffre, tu peux l'ouvrir, tu peux t'emparer de ce qu'il y a dedans. Alors, je pense que ça va être plus chaud cette fois. Ah là, ça va être plus chaud. Mais cette fois, il est pas juste derrière les bases là. Ah non, cette fois, c'est chacun va se battre en même temps pour le même coffre en plus. Quand tu dis jour 3, c'est dès que ça commence ou la fin du jour 3? T'as à partir du jour 3. En fait, tout le monde peut y aller à partir du jour 3 sur ce coffre. Et c'est écrit à droite sur le scoreboard si jamais vous oubliez. D'accord, donc c'est ce coffre là qui est à notre gauche et pas l'autre. Voilà, exactement. Pourquoi vous avez mis un name tag? Bah écoute, c'est des trucs voilà, hein, c'est cadeau, servir. C'est surprise. C'est cadeau. Te plains pas, écoute. Hein, voilà. En fait, c'est un site de se monter en l'air jour 3 et jour 6. Ah bah, quoi. C'est un site qu'il y a du PVP. Exactement, deux jours de PVP obligatoire. Donc, ok, donc nous, ça sera notre droite, ok, très bien. Voilà, nous on est. Attendez, on est. Nous on est à. Nous c'est à notre gauche, nous. Ouais, wow, nous c'est à notre gauche. Logique, si vous êtes en face, c'est vrai que. A priori, hein, c'est ça. Oh, c'est vrai qu'on a taffé les stats, hein, on a taffé les mathématiques là. Bah écoute, si ça t'aide à gagner, tant mieux. Hein. Attends, t'es fort toi, B-Boy, en PVP, t'es sûr, hein? Ah, j'ai gagné tous mes Fallen Kingdoms, écoute! Parfait. Voilà, en soi, non, je mais sais c'est pas bon, ce moi, c'est. Et t'en as fait combien? Je suis 3ème dan en Fallen Kingdoms. Il en a fait qu'un, je crois. Hein. Non, j'en ai fait deux. Attends, t'en as fait deux? Non, j'en ai fait deux, oh là là. Ah, j'ai rien dit, moi, excuse-moi. Excusez-moi, c'est mon 20ème, bonjour. On a la team expert Fallen Kingdoms. D'ailleurs, je vous invite tout le monde à venir au milieu, là, on va commencer notre partie. On avance, moi. Voilà, puis il y aura un point de vue du coup. Léo, tu filmes ou pas toi? Non, jamais. Non, jamais. Ah, j'allais dire un point de vue par personne. Je suis youtubeur, mais volontaire. Genre, d'accord. Ça bénévole, voilà. Ouais, c'est bénévole. Ah, c'est génial comme concept. Ouais, mais il y a une deadline quand même. Hein, c'est-à-dire ouais, il y a une deadline. Ah, bah non, j'ai fini l'intro. Parce que... Ouais, c'est ouais. Si l'intro pouvait pas durer trop longtemps, parce que. Bah, une heure, il doit être au lit. L'intro se termine. L'intro se termine, les amis. On vous reprend dès que le timer commence. Chaque équipe rejoint sa base. Et jour 2, tout va vraiment commencer. Je vous rappelle, hein, le jump, tout ça, tout le tralala. Okay. Donc, c'est parti, bonne saison à tous. Ah, c'est parti! Allez, on est parti! Comme disait Luan, jour 1. Ah, ouais, putain, les gars, vous allez bien? Bon, mais vous êtes sûr que notre base, elle est là-bas au moins? Non, pas du tout. Moi, ok, on est d'accord. On est d'accord que personne si, n'est si, sûr. C'est la bonne, c'est la bonne. Et oubliez pas le temple de la feuille de mes couilles au bord de l'eau. C'est sur notre droite, d'accord? Quoi? C'est le temple. Attends, putain, je suis plus sûr de ce que j'ai dit. Non, sur notre gauche. T'es sûr que j'avais dit sur notre gauche? Vas-y, prends la cana. Vous êtes sûr les potes? En moins.
Ouais, ouais, sur 100%. Ok, bon, c'est sur notre gauche alors. Ah oui, et eux, ils avaient rebondi en disant c'est sur notre droite, impeccable. Ok, bon, on a notre base, les gars. Qui fait quoi, on fait quoi? Parce que faut. Bah, pour l'instant, je récolte la canne à sucre, il faut la remonter. Ouais. On récolte tout ce qu'on a et on ramène récolte tout, de la bouffe, bois, aussi. Des œufs. On commence à faire des petits coffres. De toute façon, on peut pas se faire assaut avant. Vas-y, ouais, je prends du bois. Ouais. Bonne idée, ça, putain. T'as de l'idée. Elle est belle, la carte, hein, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle est magnifique, j'adore. Honnêtement, je préfère jouer dans un Fallen Kingdom comme celui-ci. Que celui qu'on avait fait à Ipierre dans la lave où c'était full démoniaque là. Ah ouais. Le candy, la map était super grande aussi, je sais pas. Ouais, elle était, ouais, elle avait 14 grottes l'une sur l'autre, empilées l'une. Ouais, mais par contre, il y avait 4 clans, hein. Et c'était pas mal. Oui, il y avait 4 clans. Là, il y a 2 clans, là ça va. Voilà, être voilà. Chaud, mais l'idée était pas mal. Quand il y avait un clan qui mourait, il était réparti avec les autres clans, c'était plutôt bien. C'était franchement très sympa. Par contre, ah oui, c'est vrai qu'on a pas le droit d'assaut à Lander Pearl. Si tu montes tout en haut du temple à Lander Pearl, et on pourra, vu qu'il y a l'end, tu as vision sur. D'un côté ta base, de l'autre côté leur base. Et tu vois tout. Du coup, on pourra faire une vigie. Et on a le droit ou pas? Je pense pas qu'on a le droit de Thunder Pearl dans la base, il faut toujours casser à la TNT. D'accord. Ah. Ça a toujours été. Ah oui, non, oui, Thunder Pearl dans la base, ouais, on peut pas. Ouais, on a pas on le droit. On peut poser des blocs à quel endroit exactement en fait? En dehors, on peut rien poser en dehors de notre base en fait. Et de la leur. C'est à peu près de 2 cubes, c'est ça, 2 cubes ou 3. Non, la TNT, tu peux la poser partout en fait. Mais tu peux rien poser. En dehors de la TNT, tu vois ce que je veux dire? Ah ok, non mais j'ai compris, c'est bon. Donc, donc voilà. Comment on sécurise nos coffres? Je sais pas, vous voulez faire un truc comment Parce que les connaissants là, les Frigiels, Siphano et toute la, la trimballe là... On peut faire je crois que ça marche encore les passages au Minecraft. Avec une sortie classique, mais le problème c'est qu'il faut des sticky, ça me fait chier. Ah quoi que non, on peut le faire sans sticky. Ouais, à voir, écoute. Oubliez pas, je creuse des escaliers les gars pour accéder direct à notre grotte. Parce qu'il y a forcément quelque chose de sympa, tu vois. Attends, c'est des grottes aménagées. Fais des coffres pour l'instant. C'est des coffres aménagés. Bah, The Prof, tu peux le faire au retour. Yep. Oh, c'est bon, ouais, vas-y, des coffres. Tranquille. Là, je prends un peu de boue, comme ça, je serai tranquille avec les pastèques. Ah, les gars, on est d'accord, hein. C'est des grottes aménagées, hein, il me semble. Hein. Oui. Casse-toi le j'ai deux stacks de. Après, jour 2, il faut qu'on fasse quoi? Le parcours. Ah, je l'ai fait, si vous voulez, je pourrais aller le faire. Hein, s'il est pas ouais, trop vaut mieux pas que ce soit moi. Non, mais j'irai le faire tranquille. La seule difficulté, c'est qu'il y a des mobs, donc il faudrait un arc en fait. Si vous croisez des araignées, tuez-les pour avoir les fils. Même, je crois que le jump, mec, il se croise. Donc un arc, c'est toujours utile si tu veux faire tomber le frérot, tu vois. Bah, s'il y a un autre mec, ouais. Mais on va se mytho, te faire full faire et un arc avec des flèches, si ça peut être bien. Si on se fait. Si on meurt, non? Comment ça? Non, tu respawn. Tu respawn, ouais, si tu meurs. Okay. Faut faire un lit d'ailleurs. Oui, faut faire le lit assez vite, les gars. Parce que n'oubliez pas que. Tu récupères en même temps, c'est bon. Ouais, quoique. Le lit. Non, mais le lit plus. Hop, voilà, bon, il y a le coffre. Ils peuvent pas venir avant l'épisode 6. N'oubliez pas que le coffre, une fois installé, on n'a pas le droit de mettre deux coffres à des endroits différents. Hein. Ouais, mais pour l'instant, on s'en fout, on les rebouge. Ouais, non, pour l'instant, ouais. Bah, de toute façon, ils peuvent pas assaut avant. Non, je fais le lit là. Ah, si, ça y est, tiens, tu peux enfiler? Ouais, vas-y, monte comme ça. Ce qu'il faut faire aussi, c'est dès qu'on a du charbon, faire des torches. Hein. Faire cuire du bois, voilà, merci. Je vais récolter un peu de bois. Je vais aller rechercher encore du bois. Ok, bon, c'est pas mal. Eux, par contre, ouais, ils sont habitués au Fallen Kingdom, ça va aller vite. Ouais, hein, carrément. Et moi, c'est ça mon premier, donc je vous suis, moi. Je suis le commis. T'inquiète, on est tranquille. Vous oubliez pas la muraille? Ils sont pas faits, ils ont pas le droit de nous assaut. Donc au final, on est assez tranquille là-dessus, hein, en vrai. Faut faire une muraille, les gars. Il faut faire autour aussi une sorte de douve, un peu. Hein. Ça, c'est quasi obligatoire. Ouais, avec de la lave. De l'eau, de la lave ou de l'eau, parce que la lave, oublie pas que la dernière fois, ça se prêtait bien, mais là, c'est chez. Tu veux faire un truc plus relou, tu l'as fait au cactus. Non, au caca. Au caca, gros. Caca. Bah tu mets du caca par tu chies par terre et les mecs ils... et les mecs ils peuvent glisser. Non bah ouais mais au cactus tu peux pas, il y aura pas assez de cactus. Et surtout je crois qu'il y a pas de cactus. Et en plus ok c'est bon les gars, j'ai fait l'accès à la grotte. Incroyable. Nice, je vais aller miner là, je récolte. Incroyable. Masse bois. Cette grotte est totalement dingue les gars. Faire un petit four, faire cuire du bois pour avoir des torches peut-être. Je sais pas. C'est la pire grotte que j'ai jamais vue de ma vie. Oh putain, j'ai déjà failli mourir. Wow. Moi, je vais me chercher du. J'ai pris des cœurs à retardement. Mais quand vous dites faire des douves, en fait, on peut faire des douves quand même, malgré qu'ils vont pas pouvoir les buter, les douves. Mettre de l'eau dessus, si on fait de la lave, ou si, les cactus. En soi, ils peuvent. Ça, c'est... Attendez, les gars, vous savez que les grottes se rejoignent là? Ouais, je pense qu'on peut les trouver via les grottes. Hein. Ouais, y'a moyen qu'on fasse le first skill comme ça là, le premier sang, ça serait pas mal ça, non? Bah, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, autant dire que c'était plutôt efficace. Hein. Le mec il nous a vu débouler en claquette, il n'était pas prêt, il commence à parler espagnol pour négocier, ça a été rapide. Hein. Ok, il y a masse creeper par contre. Ouais, je crois. Ok, les gars, là où ça va être super chiant,
Ok. C'était qui ça? C'est moi les gars. D'accord. Là où c'est super chiant, c'est qu'en fait je sais plus où est l'entrée. J'y suis si tu veux. Et ouais, les... on n'a pas de chat team. Oh le pire truc ever mec. Ok, vas-y, je veux bien que tu sois à l'entrée s'il te plaît. Parce que prêt, oubliez pas qu'on peut casser mais on peut pas creuser, vous enfermez pas dans un piège. J'avais ça. Et crois-moi que c'est relou. Non, on peut pas poser, c'est ça. On peut casser mais pas poser, c'est et ça. Et même de l'eau, on peut pas pour C'est ça, on peut casser mais on peut pas poser. Si tu peux poser de l'eau pour monter mais va pas t'enfermer parce que ça peut arriver sur un malentendu. OK, j'arrive hein. J'arrive. Je vais faire un saut d'eau vite fait. En gros, fais-toi un chemin quand tu veux descendre pour être sûr de pouvoir remonter, tu vois. Non, par contre, faudra faire le lit pour que on soit. Ouais, en plus, tu peux pas poser de. Ce qui est relou aussi, c'est que tu peux pas poser de table de craft. Je me souviens de ça. Mais... Si, moi là j'en ai posé une juste non, pas à l'extérieur. Parce que t'es pas l'extérieur. Dans la base. Ouais. Et dès que t'es à l'extérieur de la base, tu peux plus. Oui, faut parce que tu peux rien poser. Avec plusieurs pioches ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Ah, c'est chiant ça, c'est vachement punitif ça. Hein. Surtout moi qui suis pas très bon. Attends. Oh, arrête, excellent mec. T'es le meilleur. T'inquiète. Allez, on va faire des seaux d'eau, on va cramer tout ça, c'est parti. Est-ce que c'est pas maman? On va chercher du fer. Ouais, mais, bah là, mais je peux pas poser, mais c'est chiant. Les lourds. Hop, on va cramer ça. Je vais aller chercher. Oh putain, c'est pas vrai. Ouais, Pierre. Je vais aller là-bas. Moi. Ah, c'est pas vrai. La base, là. C'est bon, j'ai trouvé le timing. C'est moi. Ok. Oh putain, en plus ils ont mis de l'eau partout, mais le truc réellement chiant les mecs, faites plus mon erreur. Hein. Faites plus mon erreur parce que vous avez vraiment envie de tout brûler. J'arrive. De quoi? Mais mec, bah pour remonter en fait. Non, pour remonter. Ah oui, ça pour remonter c'est relou. J'arrive. Oubliez pas que on peut, vu qu'il y a de l'eau, on peut pas poser de bloc. Donc l'eau, ça va te casser les couilles. Ok, The Prof, je te vois. Ouais, je te vois. The Prof, je te vois toujours. Je te vois encore et toujours. Ça allez, on va pas. Se faire. Je ne vois plus que toi. Je n'ai de yeux que pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Mettez où? Viens, petit homme. J'arrive. Voilà. On va faire attention à la base que les coffres pètent pas ou ce genre de conneries. Hein, ouais, ça c'est sûr. Mais faut faire la muraille assez vite. Hein. On fait une muraille en cobble classique. À l'intérieur, je vais ramener du charbon. Hein? Muraille cobble, hein? Classico, hein? Ouais, pour l'instant, on s'en bat les couilles. On fait un code. On prendra. Ce qu'on fera, c'est que on va essayer quand même de rusher. Le dragon, c'est à partir de quand? Quand on veut? Non, je crois que c'est jour 3. Jour 3, je crois, ouais, aussi. Un truc comme ça. En tout cas, on connaît bien les règles, hein. C'est plutôt efficace. Non, ils précisent pas, je pense que c'est à partir du jour 2. Mais dans tous les cas, il faudra y aller pour choper de l'endstone, c'est super résistant à la TNT. Tu fais du genre 4 couches d'endstone, t'es tranquille. Oh là, t'es sauvé, gros. Ok, je commence la muraille, hein, les gars, parce que sinon. Vas-y. Ça risque de nous faire chier. Faut que tu viennes avec masse caillou aussi. The Prof. Yep, je vais t'en prendre, je me fais ma petite pioche. Parce qu'en fait, si tu veux, genre notre muraille, parce que si les. Comment ils s'appellent là? Les creepers ils passent et que ça pète tout, bah ça leur fait une possibilité de rentrer quoi, c'est un peu dommage. Ok, je me fais une petite pioche et puis j'arrive alors. Ok, bon écoute, t'as 3 minutes. Je pense que voilà, hein, on va commencer. Il faut juste de la cobble, c'est ça? On va se mettre des deadlines. Ouais. Ça, une muraille en cobble ça suffit ample. Après, on va faire des douves en eau. Bon, gros, on va. T'inquiète pas. Personne pourra. Même nous, on pourra pas rentrer, frère. Quoi les coordonnées déjà les mecs de l'entrée? Je sais pas mec. Regarde-moi, t'étais en dessous toi. Après la map est petite. Regarde, tu me vois, on voit mon pseudo. Tu me vois? Qui moi? En haut à droite. Ah voilà, ok. Vas-y, viens petit homme. Moi je prends de la cobble pour Mister B. Ouais. Et Bah pour nous surtout, hein, c'est pas. Moi après c'est de la pierre, hein, genre à la foutre de la pierre en soi. Hein. Ok. On peut pas placer de bloc, hein, c'est ça? Prenez tout ce que vous pouvez vraiment, hein. Non on peut pas. Tu veux que je te place de l'eau? Moi j'ai pris de l'eau. Moi. Non, c'est bon. On va le faire. Oubliez pas qu'en bas on peut pas. Partez avec un seau, les mecs. Hein. Partez équipé. Non, c'est bon. Ah, cool, il y a des fours. Parfait. Ouais, oubliez pas qu'à la fin du jour 1. Un deuxième. Il faut faire le jump, hein, les mecs. Après le jump, on peut se croiser, on peut s'entretuer. Ah, mais il faut un arc. Hein. Il y a des araignées en bas. J'ai peut-être fait la bêtise de ma vie. Et ok, il y a de l'or, les mecs. Oh, tu t'en fous. De quoi l'or? Ouais, c'est pas trop n'importe. C'est vrai qu'on est bientôt au jour 2 avec. Quand même, je trouve ça. Ah! Oh putain de sa mère! Tu vois, prof? Ouais. J'étais à deux doigts de vous quitter, les amis. Ok, j'ai une ficelle, tu vois.
Ah nice. Le destin a voulu que... Mais c'est des flèches aussi qu'il faut... Ah oui non pas autant. Ouais mais attends, attends, des flèches ça va se trouver. Et une chose merci. À la fois, Pierre. T'es là, tu forces... Oh oh oh, c'est quoi ça? C'est bon, j'ai ma charbon, comme ça on peut tout faire. Et j'ai des trucs pour faire la forteresse, hop. Ok, j'ai de la lave. Utilise... Ouais, utilise ça, pareil. Les gars, mettez des torches, j'ai du diamant. Ouais, mais t'avais déjà une pioche en fer? Ouais, bien sûr. Tu m'as pris pour un noob. Ok les gars, c'est parti. Très bien, un vrai plaisir. Oh putain, c'est dangereux cette histoire. Oh là là. De quoi je te vois. Mais non, le danger n'a pas de limite, mon ami. Par contre, je ne sais plus où est la sortie, mais on s'en fout. Est-ce qu'on en a réellement besoin? Je ne pense pas. N'oubliez pas qu'on peut se croiser. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on aille faire un petit raid chez eux, là, vite fait, là, avant le jump, non? Ah non, jump, c'est jour 2. Pour qu'on dorme dans le lit. Allô? Ouais, c'est vrai. Ouais, y en a un en haut, hein. Ouais, mais... Ah, t'as déjà fait un lit. J'ai oublié de dormir dedans. Ah, merde, bah attends, on peut dormir que de nuit, de toute façon. C'est vrai. Alors, creeper chargé, on se les... Non, c'est trop dur, c'est pour se faire. Non, les non. Gars, y'a masse gravier, je ramène ou pas? Ouais, y'en a au-dessus aussi. Ouais, vous en ah oui, parce qu'on avait masse poulet pour faire des flèches, ça peut être pas mal. Encore du diams. Les gars... J'ai une TNT, trop classe. Ah bah attends, c'est dans nos objectifs, on doit tous tuer un creeper. Allez, c'est parti. C'est gagné. Alors... Oh, j'ai une TNT. LOL, par terre, comme ça. Incroyable. C'est quand tu tues des creepers chargés. Ouais, j'ai... Oh putain, y'a un arc-en-chante là-bas. Tu crois qu'il va le vivre, là, son arc-en-chante, je sais pas, on dirait que c'est toi, mec. Hein. Merde. Non. The Prof. Quoi? 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 Dis un quand je te dis go. Un. Go. Go. Un. Non, mais c'est... Go. Non, j'ai l'impression que le test laguait un peu. Non, 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 moi je lag pas. Attends, là, y'en a un. Putain. Bah, mais attends, tu sais où est la sortie? Ouais. Mais est-ce que tu sais où est l'entrée? Ouais. Ok, c'est bon alors. Est-ce que tu sais où est la sortie d'entrée? Ouais, tu vois la fontaine, c'est juste au-dessus là, regarde derrière toi. Hop, c'est juste là-bas là, là, tu vois. Là où là, c'est au-dessus là, juste là au-dessus là. Ok, ok. Et je pense que tu peux remonter par l'eau là. Ouais, tu crois? Ouais, je pense. Ouais, bien joué à toi. Je remonte les rivières. J'écoute mon cœur. Encore une fois, on peut rien poser les mecs, oubliez pas. Ça peut paraître con, mais quand t'as plus l'habitude, c'est hyper chiant. C'est horrible. Non, non, je confirme. Il faut pas s'enfermer en fait. Ok. Et ça remonte où? Est-ce que tu m'aurais pas menti par hasard? Pas du tout. Ok, c'est bon. C'est bon, les gars. Un piège. Oubliez pas, hein. Glassstone, les gars, faut boucher le... Attends, 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 je me suis perché, là. Comment je m'appelle? T'en viens d'où? Mister B-Boy. Yes, crois. C'est bon, je sais d'où on vient. Oh putain, ouais. Mais de toute façon, il y a plusieurs endroits, vu qu'en plus, on est proche du spawn. Là, je peux poser, là, non? Là, je... Les gars, dès que vous voyez 800 torches, c'est qu'on vient de par là, ok? Hop. Ouais, vas-y, leur encore mieux le chemin. Ah ouais, ouais, je peux. On m'appelle le petit poussé dans le milieu, les gars. Ok. Coucou. C'est bon, dis-moi que t'as un peu de stone pour en haut. Ouais, j'en ai. Moi j'en ai. Bah viens dès, hein, parce que là il fait nuit. Hein. 22h30, je sais pas pour toi, on n'est pas en Martinique ici. Hein. Faut commencer déjà à sécure. Hein. Ah! Désolé, ça, y'a déjà un creeper qui a pété chez nous. Ah, mais dès que t'auras éclairé, fais les bordures, c'est bon. On se rend ouais, compte. Je suis en train d'éclairer là parce que ça m'a saoulé déjà. Ah, ok. On récupère la vie. Hop, impeccable. On passe en phase de construction, les gars, incroyable. Bienvenue dans Creature Map. Aïe Pierre, à quand la suite? Ok, donc là je te suis, je fais pareil que toi là, ça? Ok. Ouais, 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 bah on fait un mur assez haut de préférence. Là, il y a une araignée. Qui dit araignée dit ficelle. Ok, j'ai deux ficelles, les gars. Surtout pour le jump aussi. Hein. Celui qui va aller au jump. Pour le jump, mais le jump, ça va bientôt être là. Je pense que je vais aller le faire. Je suis full diam, ça passera tranquille. T'es full diam déjà... Ouais, non, mais gros. Oh putain. On n'a pas le même jeu. C'est terrible. Par contre, j'ai des rollbacks. Y'a que moi qui ai des rollbacks? Bah écoute, ouais. Oui. C'est... Désolé de te décevoir, mais. Oh super chiant par contre le fait que ce soit. On va essayer de boucher un peu hein, quand même. À l'ancienne. C'est très très chiant ça. Et eux ils vont pas pouvoir la péter la muraille alors. Ah mais ça a même niqué le lit. Non, à part avec de la TNT justement. D'accord. Ok, ouais. Les gars, je dors hein, moi dans le lit, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Ouais, je vais dans le lit juste après toi. Vas-y bébé, rejoins-moi. Oh, y'a de la place pour deux. Hein.
Combien de diamants qu'il me faut? 8. Mais attends, est-ce que c'est bon 15, là? Il y a aucune indication qui me dit que c'était bon 24, donc 24, 26, 29. Et 2, okay. 31, que c'est bon. Je prends masse cobble parce que c'est pas fini, là on a rien fait encore. Ah, moi aussi on est en chercher du fer. Ouais, on va aussi chercher du fer, on va se mettre. Descends un peu plus, t'en auras pas là sinon. Non mais attends, ouais, je sais, mais ils veulent venir à partir de. On peut attaquer à partir de quand la base ennemie déjà? Jour 2. Jour 2, ouais. Ah, c'est chiant. C'est quoi les coordonnées, les mecs, de la base déjà? Bah je te vois, non? Ah bah non, c'est pas toi. Non, appuie sur F3. Oui, je te remercie, moins 3, moins 229. Non mais bon, si tu fais pas d'effort et que t'appuies sur F2, c'est chiant quoi, tu vois, il y a un moment, faut que tu suives. Hein. Ouais, ça va pas du tout. Remonter, je sais pas, on était profond ou pas? Je vais peut-être remonter à la main. Oh ouais, moi je suis profond, bébé, ouais. Rejoins-moi en profondeur. T'as un peu de diamant, t'as quelque chose? Bah moi j'ai mon full diams, là. Voilà, c'était sûr. L'Amérique. Il m'en reste un peu. Ouais, je vais aller faire le jump, tranquillou. Vas-y, tranquille. Vas-y, bah moi je vais aller me stuffer alors en attendant, et puis je vais ramener de la cobble. Diamant, hein, ouais. Ouais, il faut au moins stuff. Je vais peut-être aller en tuer un ou deux au passage. Ah, si tu peux, ça fait plaisir. Si t'es full diam, ça peut servir, ouais. Oublie pas qu'on est en 1.8, hein, et pas 1.9 comme la dernière fois. Bon, en fait, faut que j'aille choper leurs coordonnées et que j'essaye de creuser par là-bas, je vais les choper dans les cavernes. Bien joué à toi, putain, mais cet homme est un décisionnaire. Mais faut que je revienne d'abord parce que je peux pas poser de bloc et faut que je puisse. Oh putain, en fait y'a du diams apparent, hein. Je vais essayer de t'en ramener aussi comme ça. Ouais, bien sûr, ouais, y'a du diams apparent. Ouais. Faut de la bouffe. Ça met vraiment beaucoup, surface. Quoi. Genre beaucoup de diams à ce point là. Ah bah écoute, je viens de voir deux filons en marchant, donc ouais, y'en a François plus là normal. Quoi, filons? Allez, 4 filons, ouais, c'est bon. Ah ok, je suis prêt de. Te fais ton full diams. Ok. Combien les coordonnées tu m'as dit? Moins 3. C'est ça. Moins 3, je sais plus. Ouais, tu sais, en soi, même si c'est pas apparent, creuse un peu, je pense, y a moyen que ça nous régale. Hein. Fais gaffe, hein, oublie pas qu'ils peuvent venir par les grottes nous arracher. Hein. Je fais gaffe, ouais. Non, on est jour 1. Oui, mais on est bientôt jour 2. Je crois qu'ils vont être au jump, pour ça je vais y aller tranquillou. Tu crois qu'ils vont. Ouais, ils vont être à 2, non? Tu veux que je vienne au cas où? Non, t'inquiète. T'es fort en PVP toi, Bibay? Ouais. Waouh, wow, moi je suis incroyable. Hein. On m'appelle. On m'appelle Conan, hein, dans le milieu. Hein, Je pense qu'on va être un peu juste en bouffe. Les gens ont peur. Je crois pas que la bouffe respawn. Hein. Faut prendre des pastèques, moi j'en ai pris 2 stacks complets. Ah, mais oui, y'a des pastèques, mais je suis trop con. T'as raison. Ok. Bien vu. Full diam, c'est combien? C'est 27, c'est ça? C'est 26 si tu prends compte pas la pioche. Ok, bon bah j'ai un full diam déjà. J'ai un peu de diamant, j'ai les 3 ficelles. Bout de ficelle. L'émeraude, ça va nous servir à rien. Oh, c'est juste relou à manger par contre. Ah oui, pas mal la bordure. Par contre, faut mettre des torches, les mecs. Oh, ouais, c'est mieux. Eh, un zombie qui donne du diamant, c'est bon ça. Incroyable. Les gars, par contre, c'est plus un. Énorme tout ce diamant là. Ah bah putain, tu m'as fait flipper, B-Boy, j'ai cru que c'était un ennemi. J'étais tellement parti loin que... T'as encore besoin de diam, B-Boy, ou pas là? Moi j'ai que 14 là, hein. c'est la merde. Hein. Ok, bah alors j'en ai déjà 3 en avance, ok? Ok, bien joué à toi, oh là 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 là. Voilà. Allez, t'es pas prof en mathématiques, toi? Si! Oh là 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 là, c'est totalement dingue. Ah, les statistiques sortent super vite. Hein. On n'a pas le temps, nous. Hein. Pas des. Il reste quelques diamants à la base. Ok, t'as besoin de ficelle ou pas? Ou c'est bon alors? Non, mais vous avez pas le... c'est dans une minute, vous avez pas le temps de remonter. Ah bah, fin du jour 1. Si, j'ai le temps de remonter. Fin du jour 1, on est reparti les gars pour le jour 2. Non, mais c'est pas le début du jour 2. Fin du jour 1, les gars. C'est fin du jour 1, mais pas début du jour 2. Hein? Moi, je vais jusqu'au début du jour 2. Ouais, y'a toujours une heure de décalage. Ouais, c'est le... un peu jet lagué hein, cette série, je trouve. Hein. Mais je sais même pas où les gars. J'ai mon petit full diams au KLM. Ah, tu vois, ils sont déjà l'enchant. Après, ils peuvent aller faire l'enchant. Ah ouais. Ouais, parce qu'il a enchanteur. Il faudrait, si vous arrivez à récupérer de l'obsidienne, c'est bon. Ok. Attends, je sais plus d'où on vient, frère. Ouais, moi non plus. Oh non, t'es sérieux? Non, mais si, moins 225. Je les ai. Ah ouais, mais je suis mauvais en coordonnées, mec. C'est mon point faible dans Minecraft. Bon, attends, redescends bas. Ils vont rusher l'aine, mais l'aine sans flèche, on peut pas le faire. C'est les anciens dragons, donc c'est un peu chaud. Redescends bas où t'étais. Début du jour 2, rendez-vous la fois prochaine. Allez, bisous tout le monde. Ciao.